Bon bah c'est parti pour un nouveau tour. Un quatrième tour. La forêt de Dine. Mes parents m'ont emmené camper ici. Il y a longtemps. Installe le campement. Je vais faire une ronde. Je crois qu'elle lui a dit quelque chose sur sa baguette. Bon bah c'est parti. Voilà, là franchement si elle veut bien poser sa tente ici, moi ça me dérange pas. Ça c'est un coin vraiment tranquille, tu vois. Ouais, on va la faire. Oh, une chute d'eau. Le jeu il est pas moche en lui, il est pas moche en lui-même, mais c'est juste la jouabilité qui est ridicule. Ouais. On peut aller derrière la chute d'eau. On va marcher. Oh, une biche. C'est pas du métal. Non. Reviens. Qui est? Je savais qu'il y avait une couille. Non, c'est pas ça qu'il faut. Non. 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 Voilà. Mais c'est vrai que je peux courir. Ouais, j'ai dépassé la biche. Stop. Stop, les gars. Traverser. Fastoche, je peux pas monter sur ton dos. On irait plus vite. Bah non, même pas. Donc je vais plus vite en courant. On faisait. Oh, une araignée. Cofingo. Cofidis. Qui est-ce qui t'a envoyé?
Car l'autre il parle à la biche normal. Quoi qu'il va lui répondre quoi. Oh putain, j'ai... Carrément, attends. Je l'ai tué ou quoi? Pas de panique. Ah d'accord. Je comprenais pas pourquoi elle restait sur place. Encore, hein, ah non, j'ai cru que c'était... voilà, en fait, ça, c'est... Si vous vous souvenez bien, c'était une quête annexe que... Qu'on a fait juste avant, hein. Enfin, que j'ai fait juste avant. On reprend les mêmes et on recommence. Avec les tentes des connards qui ne sont plus là, on ne sait pas pourquoi. Je l'avais pas vu. Raté. Non. Reviens. Et il est beau cet arbre là. Enfin, je savais que j'allais m'exploser la gueule, mais bon, on s'en fout. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah ça va. Oh, mais que vois-je en face de moi? Un truc rouge qui scintille, c'est une potion pour me donner de la vie, je crois. Fendo. Ah oui, c'est là où il va trouver l'épée. Je me rappelais plus. L'épée de Grifonda. Il la voit à travers la glace, lui. C'est un BGM là. Il saute dans l'eau qui est glacée, moins 60 degrés. Ça lui fait rien. Il réfléchit même pas, il y va. Qu'il essaye de m'étrangler pendant que je remonte à la surface. Mais t'es dingue! Pourquoi tu l'as gardé sur toi? J'ai bien fait de suivre ton patronus. Pourquoi t'as plongé là-dedans, espèce d'imbécile? L'épée de Gryffondor. Ce n'était pas mon patronus. Celui qui l'a laissé devait vouloir qu'on tombe sur l'épée. Il faut qu'on détruise le médaillon. Fais-le. Quoi? C'est à toi de le faire. Je le sais. Je crois que c'est Rogue hein, qui a envoyé le patronus. Prends l'épée. La biche, je veux dire. À trois. Un, deux, trois. Ouvre-toi, Kazem. Ah oui, il faut ouais, c'est... Oh, voilà. Qu'as-tu fait de bruit? Voilà, vous arrivez à viser. Merde, je vise où? Putain. Ah, il peut pas viser. Putain, les cœurs, carrément. Hein. On se prend deux boules, c'est bon, on crève.
Et là, elle adore ce jeu. Putain, puissant ces boules, hein. Il te défonce ta putain de gueule de merde. Cool, voilà. Pour tourner. Cours, putain. Il faut déjà que je prenne un autre sort à mon avis parce que celui-là. Non, non. Non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est quoi ça? C'est un... Non, c'est nul celui-là. Pas celui-là. Voilà, on va prendre celui-là. Comment on fait pour viser? Je ne me rappelle, ouais. Ah, c'est ça, pour débarquer. Quoi, d'ailleurs, j'étais contre l'arbre, les gars. J'étais derrière l'arbre, il me touche. Mais non, mais pourquoi il me donne le même sort là? J'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut vraiment que je retienne les noms des sorts que j'utilise le plus souvent parce que sinon je m'en sortirai pas dans le jeu. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est un. Non, c'est pas ça. Non. Pas un espèce de. Non. Moi, je crois que c'est un coffret. Mais comment on fait? Putain, je déteste ce jeu, c'est un truc de fou. Je déteste ce jeu. Bon, maintenant il tire plus, on ne sait pas pourquoi. Bah, c'est ça. Alors, je vais aller où là? Putain, mais. Putain, je me suis paumé là, j'ai. Bon, là, je suis mort, voilà, c'était normal. Alors, c'est un coffret d'eau, hein, c'est. Voilà. Mais sauf que quand vous passez devant, il faut refaire demi-tour pour le reprendre. C'est vachement génial. Putain, mais quel jeu de merde, la qualité de données. Un jeu à faire à ESport, non. Franchement, ESport, c'est quoi? Enfin, un ESGun. ESGun, non, c'est des jeux de sport, putain. Ah, d'accord, maintenant, il veut plus tirer. Putain, mais qu'est-ce qui est con, ce Harry Potter? Mais qu'est-ce qui est con? En fait, le truc, c'est de tuer tous les serpents. Mais comme vous pouvez le voir, ben ouais quoi, c'est. Voilà. Voir que ces boules sont très puissantes. Et ils vous niquent en 2-2. Hein. C'est. Ah oui, bah maintenant c'est les araignées qui viennent nous casser les couilles. Faut que j'arrive à. D'accord, c'est quoi ça? Ne l'écoute pas. D'accord, maintenant il crache des lasers. Le jeu qui est nain, mais voilà. Maintenant c'est Star Wars quoi. Tan, 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 tan. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, bah bien sûr, il y a les araignées qui me font chier, c'est génial, mais... Le mec il se mange un tronc d'arbre. C'est énorme. Putain, il y a une araignée qui m'a bloqué. Oh non mais franchement mais c'est abusé ce jeu, putain. Cours, cours PD. Tu sais.
Mais je pourrais jamais le terminer, ce jeu, c'est impossible, hein, de jouer à ce jeu de merde là. Ça se termine pas un jeu comme ça se jette à la poubelle, ça. Oh putain, ces boules là qui te visent, mais vraiment, ouais, quoi. Mais regarde ça, il rebondit sur le sol et il te touche. Normal, quoi. Oui, j'ai pas de me faire chier. On m'a enlevé. Tu ne fais pas de toi Harry Potter. Touché. Waouh, putain, mais c'est atroce, mais je ne sais plus quoi faire, moi. Maintenant, il lance des lasers, c'est... La question du jour maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tous les fragments de l'âme de Voldemort sont vulnérables au sortilège. D'accord, c'est tout ce que tu as à me dire? C'est génial! Tu pouvais pas me dire, ah, maintenant que vous avez buté les serpents, vous devez tirer sur la lumière verte qui est au milieu. Non, c'est pas ça, je ne sais pas. Faut que j'arrive à toucher ces putains de serpents-là. À cause de cette putain d'arme. En fait, faut toujours courir vers le fond, le plus loin possible. Ensuite, vous vous camouflez sous. Voilà, oh my god, aide-moi, mon dieu. Faites que ça se termine, putain. Mais je suis bloqué par quoi là? Par une branche? Mais regarde, mais vas-y, mais cours, Harry, mais il sait plus courir. Harry ne sait plus courir. Il n'a plus de jambes, oh my god. Mais il me voit quand même, ça, tout ce que je fais, ça ne sert à rien en fait. J'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il faut que je découvre des cœurs. Ah, les cœurs, il reste des serpents, à mon avis. Il faut niquer encore les serpents. Putain, mais c'est quoi tous les serpents qu'il y a encore? Putain, voilà les arbres, mais franchement, voilà, on se fait bloquer par les rochers, par les arbres, par les araignées, partout. Après, on dit, mais est-ce qu'on peut jouer à ce jeu? Non, on peut pas jouer à ce jeu. Parce que tu dis ça. Putain, c'est affreux. Putain, j'en ai paniqué un. Hein. C'est quoi, c'est une araignée qui est devant moi? D'accord, génial. On va changer de sort. Voilà, on va utiliser ça. Pour essayer de tuer les serpents. J'ai dit bien essayer. Mais toi, c'est de viser, mais... Raté. Allez, cours, Harry, t'as plus qu'à courir maintenant. Oh putain, quand c'est pas les lasers, c'est ça. Encore, et ça vient d'où? Ah, ça arrête derrière, c'est bon, je suis invisible, hein. Vous pouvez me laisser tranquille. Oh mon dieu, mais c'est affreux, mais je voudrais que ça se termine le plus possible, ce jeu. La gueule. Ouais, mais c'est toujours trop bas là.
tire sur le sapin. Harry, tire sur le sapin. C'est... Oh là là, Harry ne veut pas tirer. On appuie sur le bouton tirer, ça ne tire pas. Putain, ça sert à quoi de mettre un bouton tirer si il ne tire pas le bouton? Ouais, mais pourquoi je peux pas monter là? Mais regarde, on peut pas monter sur la colline. On peut aller partout, mais on peut pas monter sur cette putain de colline de merde. Franchement, j'en ai marre. Non, vous savez quoi, ce what fou, je... C'est pour ça que je vais pas le terminer, parce que je ne peux pas, on ne peut pas terminer un truc comme ça. Je galère. Bon, je vais aller où là maintenant? Je me suis paumé dans une forêt. C'est galère, mon dieu que c'est galère. Allez, monte. Pourquoi? On était bien mieux, bien plus heureux. Voilà, il m'a pas buté, c'est quoi ce jeu? Ne l'écoute pas! Voilà, ah bah j'ai trouvé la technique. Allez, monte! Monte! Oh le con, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec! Qu'il a 10 minutes, lui, bon, là. Non, mais là, c'est les araignées qui me niquent la gueule, là. C'est bon, le laser, là. Ouais, après faut se cacher. On se cache où là? Ok, ouais, il va se calmer mieux avec son. Ok, c'est quoi qui m'a fait perdre? C'est putain de bête à la con que. T'es, il faut s'occuper des araignées, il faut s'occuper des serpents, il faut s'occuper de tout dans ce jeu. C'est que les araignées ils savent exactement où je suis, ça fait quoi, quoi. Faut attendre que ce truc arrête de tirer et continue à tirer. Ah, te gêne pas, hein, je m'en prends, hein, je t'aurai de toute façon. C'est un jeu. Oh, mais vas-y, t'appuies tout ça marche et là ça marche plus. Non, mais c'est atroce ça, putain. Une heure. Hein. Et là en fait, vous vous demandez qu'est-ce que je fais, mais je suis bloqué, c'est tout con. Quel jeu de merde, mais mon dieu, on n'a jamais fait autant un jeu aussi mal. Et ben maintenant c'est les boules, voilà quoi. Mais qu'est-ce que je dois faire pour le tuer? Qu'est-ce que je dois faire pour le tuer? Pour réussir à le tuer? C'est tout ce que je veux au monde. C'est tout ce que je veux, c'est réussir à l'intégrer. Les serpents, ils sont invincibles, on ne sait pas pourquoi. Ouais, faut courir comme un malade. Ne l'écoute pas. Ensuite faut revenir. Oh putain, je suis bloqué de partout par un petit rocher. Je dis tout. Ok, bah, l'autre serpent, visiblement je l'ai niqué, je crois. Bah, j'espère, sinon je serais vraiment. On va refaire les tours. Putain d'araignée à la con. Recamoufle-toi. Cache-toi derrière là, cache-toi derrière l'ombre. C'est bon, il a arrêté de tirer le PD. Mais je crois que les serpents, je leur fais aucun dégât. Mais en fait, il faut faire quoi? Il faut tirer sur quoi? Sur les serpents? Ou il faut tirer sur le truc au milieu, vert? Franchement, là, c'est incompréhensible. Si encore, il pourrait dire... Voilà, ouais, d'accord, j'ai changé de pouvoir. Putain. Mon dieu. Ouais.
On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver, franchement, si on y arrive, mais c'est à bouteille de champagne, les gars. C'est à bouteille de champagne, mais on se bourre la gueule. Ça fait au moins 20 minutes hein, que je suis sur ça, en train de galérer, en train de me dire dans ma tête, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dites-moi au moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je le ferai, je vous jure, je le ferai. Mais non, rien n'est expliqué. Il me faut quoi? Il me faut ça, ouais. T'as ta cape, tu vises, enfin, t'essaies de viser, si vous... On se cache. Rebelote. Non, vise plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Harry, tu vises plus bas. Il faut que tu vises plus bas. Bien sûr, maintenant il y aura les araignées qui vont me casser les couilles. Parce que oui, ils ont mis des araignées aussi pour. Hein. C'est clair que c'était pas assez difficile comme ça. Il faut qu'ils nous mettent des araignées. Hein. Non, il faut que ça soit encore plus difficile. Putain, dire que je suis en mode facile, c'est ça qui est affreux. Je suis en mode facile, les gars. Non, 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 en mode facile, vous les touchez, ils meurent, c'est bon, on n'en parle plus. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire, putain. Tous les fragments de l'âme de Voldemort sont vulnérables au sortilège. Écoute, je suis en train de les toucher, tes putains de serpents de merde. Et ça leur fait que dalle. Ça leur fait que dalle. Ça leur fait que dalle. Si encore ça leur faisait quelque chose, ça irait, mais ça leur fait que dalle. J'en ai pas tué un. Je vais utiliser peut-être les potions, ça marcherait hein, si je me fais pas tuer par les araignées avant. Que les araignées, ils ont... Oui, les araignées peuvent te voir quand tu es invisible, regardez. Je suis invisible, mais ils peuvent te voir quand même, regardez ça, c'est génial ce jeu. Il y a trop de bouffons, l'autre connard, il s'arrête pas à te dire, ne les écoute pas. Ta gueule, toi. On va essayer tous les sortilèges. Voilà, on va essayer ça, on va essayer... Encore essayer ça, on va essayer ça. Là. On va essayer de se cacher aux yeux des araignées. Maintenant, évidemment, ça marche pas parce que les araignées, regardent, ils nous voient. Ouais, ils nous voient. C'est un truc de fou. Normalement, j'ai la cape d'invisibilité. Alors, ils doivent pas nous voir. Bah, si, ils nous voient. Ah, où je peux passer? Oh, bah, vas-y, nique ta mère. On va aller plus près pour voir si. Oh, non, mais dégagez les araignées, putain. Mais oui, protégez les serpents, faites ça. Ah, bah, je crois qu'il reste seulement un serpent. C'est génial, il n'y a plus qu'à le buter. Et je vais utiliser mes... non, c'est ça, je vais utiliser ça. Parce que visiblement ça marche, c'est le seul truc qui marche. Cours Harry avant de te faire tuer, parce que si tu te fais tuer à ce stade-là, c'est plus la peine de jouer à un jeu. Hein. C'est fini. Mais dégagez les araignées, putain, mais laissez-moi tranquille! Ça sert à rien que je les tue. Parce qu'ils vont revenir encore, et encore, et encore, et encore. Ça, alors voilà quoi. Bon, je parie que le serpent n'est pas mort encore. Ça serait trop beau. Non, le serpent est encore là. Putain, j'y suis presque, mais voilà quoi. Je vais finir par me bloquer dans un coin et à mourir. J'arrive à viser. Qu'est-ce que je fais? Oh, casse-toi, casse-toi, arrête, arrête, arrête. Parce que ces trucs-là, c'est très efficace pour te tuer. Camouflage. Non, vous pouvez plus me toucher. Vous savez plus où je suis. Il reste encore un serpent là, putain. Je sais plus quoi faire.
Ça, c'est tirer. Ça, c'est enlever la cape. Ça, c'est viser, si je me trompe. Oh putain, mais merci mon dieu. Merci mon dieu. Je vous jure que c'est la partie d'un jeu où j'ai le plus galéré de ma vie. Je me suis tapé je sais pas combien de jeux dans ma vie, mais celui-là, c'est le pire. C'est la pire partie du jeu. Désolé. En fait, il fallait tirer sur les serpents. Désolé d'être parti. Tu t'es fait pardonner ce soir. En cherchant l'épée, en détruisant leur crux. Nous pensons. Il ne reste plus que trois. Après ton départ, Hermione a pleuré. Allons encore. Ouais, c'est un peu faux, hein. C'est moi qui l'a fait pleurer plus qu'autre chose. Vraiment le faire. Ce Horcrux m'a joué des tours. J'y étais plus sensible que toi ou Hermione. Je me sentais mal. Ouais, on s'en fout ta life. Je vais remettre dans un petit pub. On se casse. J'ai entendu la voix d'Hermione et la tienne qui m'appelait. Vous voyez l'espèce de boss que j'ai affronté là? Ben, le boss de fin, il sera bidon à côté de lui. Parce que là, j'ai affronté le boss le plus fort. Le plus fort du jeu, ouais. C'est génial. Oh putain. Cours, Harry. Ça, c'est des missiles à la tête chercheuse, ça. En fait, là, il faut juste escorter Ron hein, jusqu'à Hermione, voilà, quoi. Super, c'est génial. J'adore. Je peux pas avoir... Regardez, le temps que Harry Potter se lève, ben, l'arbre, il le retape. Ça fait que, voilà, quoi. C'était mon patronus. Mais mon patronus est un cerf, pas une biche. C'est vrai, le tien a une ramure. Ouais, mais il va où mon truc là, le... Voilà quoi, c'est génial. On va y arriver, hein. Je vous jure, à la fin de ce putain de jeu, quand je l'aurai terminé, j'achète une bouteille de champagne, j'ouvre le champagne, je te jure, je la sniffe. Parce que c'est voilà quoi, c'est... Déjà, ensemble, finir le jeu, c'est déjà un truc énorme. C'est énorme de finir le jeu. J'aimerais, voilà, que passer ce chemin sans les affronter, mais je crois que j'aurai pas le choix, vu qu'ils vont me tuer avant. Ça fait que finalement, je crois qu'il faudra quand même que je les affronte, ces connards. Parce que je ne sais pas pourquoi, là, je ne peux plus... Ah, voilà, c'est ça que je cherchais à envoyer depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, maintenant il faut aller là. Tac. Go! Oh putain, il m'a tué en un coup. Regarde, le temps que je me lève, le temps que je vais courir. Ouh! Vous avez vu ça? Je crois que je vais mourir suicidé si mon dieu. Bon, l'araignée, vas-y, dégage. Ouais, mais voilà, il est où le truc? Il est là. C'est quoi? C'est pas un homme? Toi, et reprends-toi un coup parce que tu es trop lent. D'accord, super. Vous trouvez qu'on est arrivé là? Parce que moi, je crois pas qu'on était arrivé. Hein. J'imagine qu'il y a mieux de manger à mort, pas vrai? Ah bah non, ça continue, c'est génial. Partie, je l'ai déjà retenu, mais j'avais perdu vos traces. Enfin, jusqu'à ce que je... C'est moi ou ces arbres ont bougé? C'est de la folie furieuse!
Victor, oui, mais... Ouais, wow, il faut aller tout droit parce que... Mais il me touchait pas là, arrêtez de fumer de la beuh, putain. Putain. Apprends-y pour qu'on fume de la beuh, putain nous. Parce que qu'on voit des jeux comme ça, putain, mais ça nous donne envie de fumer pour être trop kids zen. Hein. Là, je sais pas, mon ami, les jeux, les mecs qui ont fait le jeu, hein, ils ont dû en fumer beaucoup de la beuh. Je laisse Ron faire le ménage derrière moi parce que j'ai vraiment pas envie de me faire chier là. J'ai envie de passer ce niveau mais le plus vite possible. Joli tir, Mines. Alors, regardez, j'ai un ami avec moi qui court à côté de moi. Alors. Je suis pressé d'être arrivé là, je suis pressé d'être arrivé. Là, je me promène. On va aller par là. Ou faudra les affronter, je ne sais pas. Chaque fois, je lance un sort pour me guider, mais à chaque fois, je ne sais pas où il va, je ne sais pas où il me dirige. Ah ouais, d'accord. Voilà, il va là. Voilà quoi, je me fais bloquer par un rocher comme d'hab. Hein. Ça ne s'arrange pas. Hein. Ok, voilà, il est là. Je crois qu'il m'a ramené au début, voilà. Ah d'accord. Qu'est-ce que je voulais faire? Astratin, pile pile quoi, hein, il faut. Je sais plus quel sort. Hein. Je crois que c'est un. C'est ça, je crois, si je me trompe pas. Oh putain, c'est pas ça. Un coup fringo, non? On se casse. Ah bah d'accord, toi. Ta mère. Voilà. Non, pas ça. Non, l'expérimus, c'est ça. Hein. Bon, je fais que passer, les gars. Hein. Je fais que passer. Ne vous dérangez pas pour moi. Alors, lui, il m'a eu. Et de toute façon, je pourrais pas passer parce qu'il va me défoncer la gueule. Merci, Ron. Je crois que non, je crois qu'on est largement obligé de les tuer parce que. Ouais, je suis mort. Cours, cours! Arrêt, cours! Mais il faut faire quoi? Appuyer plein de fois sur croix pour que tu cours ou faut rester appuyé sur croix? Je sais pas, dis-le-moi! Ok, il y a quoi qui me. Voilà, on est arrivé. Yopé, houhou! Vous m'expliquez pourquoi Hermione n'a pas été attaquée parce que là, je ne comprends pas et elle est tranquille sous sa tente en train de se mater un film, même pas un livre. Elle a pas de télé, pas d'électricité. Yeah. Et nous, on a galéré. Ouais, qu'est-ce que tu faisais pendant que nous, on s'en prenait plein la gueule? Imbécile. Oh, profond. T'as raison, tape le sac aux yeux, lui. Ronald Weasley. Pendant ton absence, je te signale qu'un serpent géant a bien failli nous tuer à Godric's Hollow. Oh bah non, il y en a six. Hermione, arrête. On vient de détruire l'Horcrux. Ce cerf ou cette biche nous a mené à l'épée de Gryffondor. Harry a failli se noyer pour la voir. Ron m'a sauvé la vie.
Et nous avons détruit leurs trucs avec l'épée. Et tu imagines que ça va suffire à te faire pardonner pour t'être volatilisé comme ça? Bon, on a détruit un Horcrux, mais il en reste encore trois à trouver. Bon, j'ai découvert quelque chose. Regardez, ce symbole n'arrête pas d'apparaître. Ici, dans les contes de Biddle le Barde, sur la tombe à Godric's Hollow. Et au mariage, Xenophilius Lovegood le portait. Xenophilius pourrait en connaître le sens? Les Lovegood vivent par là-bas. C'est pas très loin. Vous pensez vraiment que Xenophilius va nous être utile? Enfin, mais un peu... con. Siphonné. J'espère qu'il pourra nous aiguiller. Ce symbole est notre seule et unique piste. Dumbledore voulait sûrement nous transmettre un message. Sinon, pourquoi m'aurait-il légué ce livre? Je ne sais pas. Tu m'en poses des colles, toi, putain. On va récupérer ça, on va récupérer tout ce qu'on a récupéré. Bon, déjà, je suis content parce qu'on n'est plus dans la neige, parce que j'en arrive à... Ça me saoulait grave. Regardez cet horizon, comment elle est belle. Et en fait, on doit aller là-bas, là où il y a la maison de l'autre de, carrément. L'autre connard, l'autre fils de pute de sa mère que je le prends, je le casse en deux. Il avait un nom, mais je me rappelle plus. Alors. Je vais tuer les bestioles. Cette map, je l'aime bien parce qu'elle est, vachement verdoyante. Merde. Je me rappelle dans... je sais plus c'est à quel niveau, mais j'avais galéré contre eux. Il y en a encore là-bas. Ah t'es même pas mort. Bah il est où? Putain mais ils sont partout. Faut se mouiller les amis. Il est où Ron? Attends, on a perdu Ron là. Oh merde, des test trackers la con. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je me suis trompé. Voilà. Et en fait, on peut même passer par là. Parce que je me rappelle. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre un coup. Ça, là. Là. Protego. Je sais plus ce que je voulais faire. Je voulais prendre un expulso, voilà. Un expresso. Dégage-toi. C'est la messe. Ensuite, voilà, on va passer par là. Ah, je les avais pas vus. Ah,
Je sais plus quoi faire. Je crois qu'il faut utiliser un coffre-gone. Voilà, ça, il faut utiliser ça. Voilà. Ah, nickel. Joli. Regardez-moi ce paysage, il est pas beau. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de me cacher. On va trouver le chemin, on va trouver le chemin. Voilà. Alors, il faut trouver le chemin. Vas-y, genre, il peut pas passer par là. On va passer par là. Je me rappelle, si je me rappelle bien, il faut faire comme ça. Ensuite, il faut tourner à droite. Voilà, il faut aller comme ça. Je ne sais pas combien. Bon bah je me suis paumé. Bon j'aime voilà, j'ai fait un 4 points parce que nous. Ah d'accord. Venez les gars, j'ai trouvé le chemin. Suivez-moi. Je sors pas ce coup là. Oh oui, il y a un truc là. Bah attends, c'est Hermione. On a perdu Hermione. Ce qui va, c'est que mes amis sont invincibles. Okay, pas de panique, pas de panique. Il faut juste savoir où on doit aller. Ouais, c'est très bien, mais... Ah, bon, on peut les éviter facilement. Non ! Allez, relève-toi vite, vas-y, Flash, t'es le fils de Flash, n'oublie pas, vas-y, avance. Non, je suis mort, je pense, parce que le temps que je me lève, le temps qu'ils se remettent... Non, ça va, j'ai du bol. En même temps, si je peux les niquer en même temps. On va le faire. Ah, je vais éviter. Évitation. Je vais juste regarder le paysage. C'est quoi, nique ta mère le paysage. Putain, vous avez beau appuyer 36 000 fois sur croix, ça ne vous aide pas à vous relever plus vite. Hein. C'est bon là, tu m'as assez enchaîné, connard. Des arbres qui bougent là. Oui, il y en a encore un là. Oh putain, là j'ai bien évité le dedans. On est arrivé à la maison. Hein. Eh ben putain, c'était un peu difficile quand même. La route était longue et dure. Bon, ils sont où les autres? Je m'en fais chier qu'ils aillent se faire foutre. Hein. Il y avait qu'à me suivre. Excusez-moi, monsieur Lovegood. Quoi? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis Harry Potter. J'étais au mariage. Ah oui, bien sûr. Entrez. Elle est où, Hermione? Ah, d'accord, je me les ai. Est-ce que Luna est chez vous? Elle va. Monsieur Lovegood, j'aimerais en savoir plus sur ce symbole. Ah? Il s'agit du symbole des reliques de la mort.
Vous connaissez certainement le conte des trois frères. Non, mais trois petits cochons, hein. C'est l'histoire de trois frères à qui la mort a accordé un vœu. Le frère aîné a demandé la baguette la plus puissante qui soit. La baguette de Suros. Le pouvoir de résister. La pierre philosophale. Celui de disparaître. La cape d'invisibilité. La mort donna une baguette de Suros à l'aîné des frères. Une pierre magique au second. Et une cape d'invisibilité au dernier. Le frère aîné prit la baguette et alla tuer un sorcier qu'il détestait. Et finalement, il se vanta de sa baguette et de son invincibilité. Mais cette nuit-là, un sorcier le tua dans son sommeil et vola la baguette. Ainsi, la mort reprit le premier frère. Le second frère s'approcha de lui et fit apparaître la fille qu'il avait toujours rêvé d'épouser avant qu'elle ne meure brutalement. Mais elle n'appartenait plus au monde des mortels. Rendu fou par son fantôme, le jeune homme se suicida pour la rejoindre. Ainsi, la mort reprit le second frère. Quant au dernier frère, la mort le chercha, mais ne le trouva jamais. Vers la fin de sa vie, il décida enfin de retirer la cape d'invisibilité et salua la mort. La baguette de Sion, la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité. Ensemble, elles forment les reliques de la mort. Ensemble, leurs propriétaires maîtrisent la mort. Ce symbole apparaît sur une tombe de Godric Solo, la tombe d'Ignotus Merel. Bien sûr. On dit qu'Ignotus et ses frères étaient certainement les trois frères, les propriétaires des reliques. Merci, Monsieur Lovegood. C'est ce qu'on voulait savoir. Restez encore. J'étais en colère à propos de tout ce que j'ai écrit. Ils m'ont pris ma Luna. Qui a pris Luna? C'est vous qui me cherche. Je veux revoir ma fille à tout prix. Je dois la retirer des griffes de Voldemort. Non, c'est tabou, ils vont nous repérer. Il y a des gens dehors. Tout ça pourquoi? Pour un stupide con. Elle n'existe pas, ces reliques de la mort. Mais c'est évident. Ce sont les reliques que Voldemort recherche. Il en a besoin pour enfin devenir indestructible. Attention! Il faut déguerpir d'ici! Ouais. Pourquoi il a dit ça? Évidemment qu'il savait. C'est pour Luna. Il fait tout ça pour sauver Luna. Pas de bien. Touché. Elles sont partout. Ah, le bâtard. Voilà.
Putain, c'est qui me tire dessus là? Putain, Ron, tu fous quoi là? Il dort, regardez, il dort. Il en profite pour dormir là. Voilà. Tu sais même pas ce qui tire dessus en fait. Putain, mais c'est qui me tire dessus là? Non, il y a personne. Quoi, je suis mort? C'était quoi le bug là? Est-ce que je dois me barrer là? Je dois me barrer ou quoi? Ah non, les PD ils se cachent là, oui. Il y a que moi qui se barre. Sont tous morts ensemble comme des vrais amis qui ne se quitteront plus jamais. C'est vachement beau ce que j'ai dit là. Ben non, ils sont pas morts. Allez, maintenant on va tous les niquer. Yeah, on va les niquer. On va les tuer parce qu'il faut les tuer. Oh la vache, il nous a explosé tous les coups. Ouais, mes sorts sont maintenant plus puissants. Cool. Ils sont nombreux, hein. Ça rigole pas, hein. Il y a toute l'armée là. Je crois que je vais me barrer, les gars. Je vais. D'accord, il y en a un juste à côté de nous. Il peut pas. D'accord, il y en a un même derrière nous. D'accord, il y en avait un derrière nous. À côté de nous. Mais il y en a partout. C'est pour ça que je vais utiliser un truc vraiment efficace. Ouais, je sais plus. C'est pas mal que je fais ma cape, moi. Ma cape de visibilité. Ah, ça marche. Putain, je vous le nique, je vous le nique. Ils ont une baguette magique, ils ont une baguette magique, genre. Putain, mais... Touché. Sauf qu'il y en a un encore qui est vivant. Tiens, bouffe. Bouffe les sorts. Ça va revenir. Je me casse. Attends. Touché. Il n'y a pas un qui est là aussi. Ah merde. Touché, voilà. Ensuite.
tire sur qui? Ils sont trop nombreux. Quatre, c'est bien. C'est la folie furieuse. Elle s'en raconte pas. Touché. Y'a pas derrière nous, non, c'est bon. On ne sait jamais. Idiot. Voilà, débouger. Bande d'imbéciles. Ouah, mais vas-y, mais c'est qui me tire dessus là-haut? Protego. Mais non, mais devant toi, connard, pas derrière toi. Abruti, wow, regardez-moi tout ça. En fait, il y en a trois. Bon, il n'y a plus là. C'est de la folie furieuse. Bah si, il y en a encore. Ils sont trop nombreux. On peut les avoir. Putain, vas-y, non, mais il y a un trou là. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Voilà, et là, il y en a un derrière nous. Et ça, j'adore ça quand ça fait ça. C'est pas logique qu'il y en a derrière nous maintenant. Voilà, putain, ça fait exploser. On peut voir qu'il y en a toujours, hein, que voilà, que ça ne change pas, hein, on a beau en tuer 50 000, il y en a 50 000 qui arrivent. Il me voit quand je fais ça? Ouais, il me voit. Tiens, bouffe. Ah, oh, mais ça revient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit courir comme des malades. Mais je pense que c'est ça, parce que sinon, si c'est pas ça, je ne sais pas c'est quoi. Vise-le! On va avancer, parce que j'ai l'impression qu'on... Voilà, quoi. Qu'on fait rien du tout, là. Qu'on se bat, mais pour rien. Parce que ça sert à rien, ils reviennent à l'infini. Ouais. Ça... Oh, non, pas lui. C'est un coup de ça, toi. Oh putain, en plus t'as l'arme de merde là qui va nous faire chier. Touché, voilà. Mon dieu, ils sont en train de nous mettre une pâtée. Franchement, mais ça sert à quoi de tuer des ennemis qui viennent à l'infini? Je comprends pas. C'est aller où la logique? Tu es une fois, puis ils viennent plus, puis voilà, c'est fini. Fin de partie, non. Ils viennent à l'infini. Et ça se passe toujours comme ça dans ce jeu de merde. Ça fait qu'après, bah, vous allez voir, bah, vous savez plus quoi faire. Vous savez que je suis en train de faire le sort pour les éloigner, mais ça marche pas. Parce que ça ne veut pas marcher, voilà. Normalement, voilà, c'est ça que j'essaie de faire depuis tout à l'heure et ça ne marche pas. Parce qu'il y a des sorts qui des fois ne marchent pas. Un. Un, deux.
Voilà, elle était beau celui-là, hein. Mais regardez à laquelle vitesse on se fait tuer dans ce jeu. C'est énorme. C'est le jeu le plus difficile au monde. Il n'y en a pas d'autre. Et même si vous courez pour vous éloigner, ben, ils vont vous toucher. Voilà, et si c'est pas eux, c'est l'arbre. Voilà. Et si c'est pas l'arbre, ben, c'est eux. Ah, je suis mort. Mais t'as toujours des ennemis qui viennent, ça fait que ça. En gros, ça ne sert à rien de rester là en fait. Moi je reste pas là, ça sert à rien. Si c'est pour se faire tuer, c'est pas la peine. Bien. Bon, l'araignée, tu vas te casser. Parce que toi, t'es qu'une fille de putain et de merde. Après je sais plus où aller, hein. Je suis mon instinct, même si mon instinct en ce moment il est vachement pourri. Il sert à rien. Alors, où je dois aller? Le bouton pour envoyer le sort pour me guider ne marche plus. Et c'est ça, je suis en train d'appuyer 50 fois sur rond et ça ne marche pas. Parce que normalement, quand vous appuyez sur rond, ça vous lance un sort pour vous guider. Et en fait, ah, voilà, enfin. On va y arriver. Ils sont peut-être plus puissants à mes sorts, mais ça ne sert à rien, les gars. Parce que j'ai l'impression que plus mes sorts ils sont puissants, et plus les sorts que eux aussi sont puissants. Voilà, c'est ce que je dis en fait. Et le temps que je me relève, le temps que je revisse. On peut pas passer par là? Oh putain, c'est con ça. Bon ben en fait, on est un peu niqué en fait. Il faut qu'on passe par là. Voilà. Cours, allez, cours, te retourne pas, ça sert à rien de les affronter. Ils viennent à l'infini. Voilà, sauvegarde, c'est mieux. Ouais, mais voilà, on doit aller là. Tête. À mon avis, là, ça sera blindé de la tête au pied. Ouais. Oh, c'est ce que j'ai. Oh la vache, pourquoi il m'a touché avant? C'est pas obligé qu'il me touche, putain. Voilà, on va essayer de sprinter. Bah si, il a eu la preuve. C'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Je me casse. On forme des zigzags. Ouais, on est bientôt arrivé. Vers le début. Oui, parce qu'il faut aller au début, on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Quoi. N'importe quoi. On fait des allers-retours dans ce jeu. Et voilà, c'est sur cette fin de vidéo complètement mais débile qu'on va se quitter. Avec un grand plaisir! Allez, ciao les gars! Non, bon, on se quitte là, j'ai dit.
Ah, enfin, nous voilà réunis pour la fin de ce jeu horrible, épouvantable et maudit. Oh putain, les cœurs, ça commence déjà. Hop, c'est qui ça? Mais qui c'est ces mecs? Merde. Je ne sais plus viser. Ok. Ah, j'étais meilleur jeu. Petit con. Hop, excusez-moi. Oh, bien joué, Armin. Une fois que tu fais quelque chose de bien. Tiens, note tes dents. Ah, on doit aller par là. Ah, on va quand même monter là-haut. Ah, d'accord, d'accord, il est juste à côté de moi. Bah, c'est super, c'est ce pas de me relever. Peut-être que j'évite de m'exploser la gueule en même temps. Oh putain. Oh non. Non, vous mourrez jamais, allez tous vous faire foutre. Si ne sait pas Hang. Ah. Tiens, un cadeau. Un confringue. Là. Casse-toi, toi. Dépose. Battle Royale. Tiens, il me dit quelque chose de lui là. Mais oui, on l'avait rencontré dans le Harry Potter et les reliques de la mort. D'ailleurs. Protège-toi, connard. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Toi, je me protège. Si je lui mets ça, mais. Oh, d'accord, je crois que Hermione l'a eu avant moi. Ah, l'autre est là, lui. C'est niqué, toi. Tiens, allez, tire. Tiens, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Il y en a d'autres. On n'y arrivera jamais. Ça y est, on les a. Il faisait quoi les deux derrière le tronc? Hermione. Vous savez qui c'est? Ils sont sur la liste? Je vois pas leur nom ici. Ce gamin est affreux. Tombé dans les orties, tu dis. Qu'est-ce que tu fais là? Tombé dans les orties. Pourquoi tu mens sur ton identité? Changement de plan, les gars. Inutile de les emmener au ministère. Est-ce que tu m'as lancé? Un maléfice cuisant. C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit. J'ai envie de voir ce que vous savez qui veut faire de vous. Allez! Vous savez qui? Hmm.
laissez-la ! Hermione ! Hermione ! Harry, il faut faire quelque chose. On peut pas la laisser seule avec eux. Mais la truc, c'est là aussi. Salut, Harry. Luna ? Est-ce que ça va ? Quoi ? Oui, c'est un maléfice cuisant. Hermione m'a camouflé. Harry, il faut qu'on sorte d'ici. Si Bellatrix découvre qui on est, on doit aider Hermione. Je sais, mais ils ont pris nos baguettes. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Dobby, qu'est-ce que tu fais là? Dobby est venu pour sauver Harry Potter. Ah, j'avais oublié lui. Tu veux dire que tu peux transplaner où tu veux et nous emmener avec toi? Bien sûr, je suis un elfe. Va cacher les autres et reviens nous chercher. D'accord. C'est Hermione. Harry. Merci, Dobby. Pourquoi ils utilisent les mêmes sorts que moi, eux ? D'accord, il protège une pièce vide, lui. Enfin, elle... C'est pas ce qu'elle faisait, c'est une fille. Yeah, touché, mais moi aussi, on s'en fout. Viens, Ron, allons aider Hermione. Qui se fait... Comment t'as su? Et voilà, voilà, c'était le boss de fin. Fini. En fait, je sais pas ce que j'ai fait. Cachons-nous. Hein? Voilà. Bidon le boss du fin. Le boss de fin, je veux dire. Dobby, non. Il y a trop de bouffée de choucroute. Tout va bien. Voilà. Tiens bon, Dobby. Je vais te soigner. Hermione, ton sac, tu dois bien avoir ce qu'il faut. De l'essence, de dictam, quelque chose. Hermione, aide-moi. Quelle nuit magnifique pour être avec des amis. Non, parce que tu trouves qu'il fait nuit, toi. D'être avec son ami. En même temps, il est en train de crever, alors c'est un peu normal qu'il voit la nuit partout. Non, Toby est mort. Bah, Toby, hein. Voilà ce qu'il veut. Ce qu'il dit tout. À suivre. Ah bah enfin j'ai fini ce jeu, mais je suis content de l'avoir fini, je suis content, mais putain, je l'ai fait. C'était un défi que je m'avais lancé, mais voilà, ah, je l'ai exécuté. Voilà, bah,
je vous l'ai dit que le boss de fin était complètement ridicule, hein, voilà, qu'il fallait lui envoyer 3 sorts dans la gueule et c'était fini, il n'y avait plus rien. Alors que j'ai affronté des bestioles dans le jeu qui étaient largement plus coriaces que elle, ouais, que... voilà, c'était... De toute façon, le jeu c'est du n'importe quoi et ça... on le sait depuis longtemps, voilà. Allez, je suis content d'avoir fini ce jeu de merde et voilà. Je vous dis un prochain Watfou, hein. Allez, ciao.